Il y avait dans une nouvelle vidéo un petit haul AliExpress. À chaque fois, je serai habillée différemment parce que je filme au fur et à mesure que je reçois les articles. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors là, il y a beaucoup d'articles que j'ai reçus, pourtant je comprends pas. Je les ai reçus au fur et à mesure, pourtant j'ai demandé de faire le truc un peu groupé. Mais j'ai absolument pas reçu les articles groupés. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on va ouvrir les paquets ensemble. Donc je vous montre en premier, j'ai reçu cette glace-là. Alors si vous suivez mes vlogs, mes hauls AliExpress depuis un bon moment, vous savez que je l'ai déjà achetée. Et du coup, je l'ai recommandée et je la trouve nickel chrome. Elle est super jolie. C'est une matière un peu toute molle. Alors je vous avouerai que quand tu la sors du packaging, elle pue de ouf, elle sent très 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 fort. Mais au bout de 2 jours, elle sent un peu moins fort, tu vois. Alors c'est pas un truc pour les enfants, c'est pas un truc que tu peux mettre à la bouche, mais je trouve que ça fait une petite décoration super sympa. Elle existait, je crois, en chocolat ou en chocolat vanille. Moi, j'ai pris chocolat fraise et je la trouve vraiment trop trop choute. Comme ceci. Ensuite, j'ai commandé un petit porte-carte AliExpress, Harry Potter, comme ceci. Donc c'est la carte qui fait référence à quand Harry Potter reçoit sa convocation. Vous allez aller à l'école des sorciers, nanana. Donc elle est comme ceci. Donc c'est un petit porte-carte tout simple où tu peux mettre grosso modo 3-4 cartes. Donc tu peux en mettre juste ici et tu peux en mettre une ici. Une carte. Hop, ou là t'as un petit trou en fait. Je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, t'as un petit trou comme ceci. Et elle est super jolie et franchement elle est très très quali, je trouve. Elle est trop belle. Hop, et elle a été envoyée de France, pour information. Ensuite, j'ai reçu des nouveaux charmes. Alors attention, je ne savais absolument pas que cette collection allait sortir, mais en fait, grosso modo, ce sont des contrefaçons de charmes Pandora, on va dire. Donc le premier se présente comme ceci, et je le trouve plutôt mignon. Alors j'espère que vous allez voir, parce qu'à chaque fois, avec les petits Pandora, c'est vraiment tout petit petit. Donc c'est toujours compliqué de, de vous montrer ça. Présente comme ça, et je ne sais pas si vous voyez, mais en haut, il y a un petit personnage. Hop là. Le deuxième, donc c'est sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Il est comme ceci. C'est la petite porte. Comme ça. Et le troisième, pareil, c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Et là, en fait, c'est Alice qui est dans une petite bouteille. Hop. Il est super mignon aussi. Ensuite, j'ai enfin reçu des masques que j'avais commandés. Donc, c'est des masques classiques, des masques noirs. Je sais pas combien il y en a en tout. Donc, c'est envoyé comme ça. Je crois qu'il y en a une bonne cinquantaine. Hop. Et c'est du masque comme ceci. Hop. Oh, ça sent pas bon. Voilà. Des masques comme ça. Tu vois un peu, un peu l'idée. Et un dernier pour cette séquence-là, j'ai reçu une petite cape comme ceci. Alors je vais vous l'ouvrir. Hop, alors t'as une petite cape comme ça pour la petite chouquette. Hop, sachant qu'elle l'a déjà, mais là c'est un cadeau en fait. Donc t'as le petit masque, hop, et t'as une petite cape comme ceci. Hop, toute rose. Tu vois la taille, elle est pas énorme, mais c'est très très bien pour une petite fille ou un petit garçon. Donc voilà, comme ceci. Trop mignon. Les loulous, on continue cette vidéo. Et là, du coup, en fait, je vous avais dit, je crois, si j'ai pas de bêtises, que j'avais fait la commande groupée. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commandes sur AliExpress à partir d'une certaine somme, tu peux choisir de tout recevoir en un seul paquet ou pas. C'est étrange parce que là, les produits que je vous ai montrés juste avant, je les avais fait tout regrouper et ils sont arrivés au compte-gouttes. Mais là, en fait, hier, j'ai reçu une grosse enveloppe comme ceci et à l'intérieur, il y a une bonne dizaine de colis et je me suis dit ça aurait été sympa d'ouvrir tout ça ensemble un petit peu comme un espèce d'unboxing ce que j'ai. Je vous avoue que j'ai tellement commandé de produits que je me souviens absolument pas ce que c'est. Donc du coup voilà, par contre c'est pas du tout estampillé AliExpress ni quoi que ce soit, c'est juste tout groupé et ça je trouve ça plutôt pas mal. Si j'ai bien compris, grosso modo, ce qui se passe, c'est que là-bas, en Chine, j'espère que c'est ça, mais du coup, ouais, je peux regarder, ça vient d'où ça? Ouais, c'est ça, le tri est fait directement en Chine. Une fois que tu as beaucoup de paquets à ton nom, ils envoient ça directement en une seule fois. Et ça, c'est bien parce que du coup, ça évite... tu consommes un peu moins de carburant, de machin, de sucre. Donc, ça plutôt cool. Donc, peut-être qu'il va y avoir des bruits de papier et tout, mais je me suis dit que c'était plutôt sympa d'ouvrir ensemble les petits paquets. Alors, j'ai commandé. Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses que vous allez voir pour mon swap. En fait, je fais un swap avec Emily Beauty. Et quand vous verrez cette vidéo, le swap soit déjà fait, parce que sinon, c'est pas drôle. Elle va regarder les vidéos et elle va se rendre compte de ce que je lui ai acheté. Et donc, ça, en fait, c'est pour moi. Et c'est assez particulier parce que... ouais, c'est chelou. Le truc, en fait, il a bugué. En fait, grosso modo, c'était un truc pour prendre une empreinte de la main. Il rentre pas sa main là-dedans, Chouki, mais tu vois, il y a un truc qui a déjà... je suis un peu dégoûtée, un peu déçue. En gros, voilà, c'était pour... tu mets la main de ton enfant là et ensuite tu le mets directement sur un papier, mais là, je pense pas que ça va donner quelque chose. Donc, je vais faire un litige au vendeur parce que, ouais, c'est pas... Tu vois, il y aura pas assez d'encre, du coup, ça va faire une empreinte pas super. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et en fait... T'as ça, ouais, c'est pas la super bonne qualité, parce qu'en fait, du coup, t'as ça, peut-être que c'est là-dessus que tu devais prendre l'empreinte, ou alors tu prends sur une feuille classique. L'idée est bonne, mais non. Il est arrivé abîmé. Première défaite, super, on aime, on adore. Ensuite, j'ai reçu une petite cuillère comme ceci. Si vous êtes assidu à mes vlogs AliExpress, vous savez que celle-là, j'ai déjà commandé pour la petite Chouquette. Donc du coup, vous savez que c'est pas pour moi, parce que non, elle n'a pas que des cuillères, la Reine des Neiges. Mais franchement, je trouve que la qualité est super, super bonne. Et elle kiffe sa petite fourchette, la Reine des Neiges. Elle existe aussi avec sa sœur. Et je crois qu'il y a d'autres motifs aussi, mais j'ai préféré prendre celle-ci. On continue pour ce... cette fille-là. Est-ce que vos paquets, vous les ouvrez en mode à l'arrache, ou est-ce que vous prenez tout votre temps? J'ai acheté un petit bonnet comme ceci pour... En fait, ça, c'est trop bien. Moi, j'en ai un qui est juste là, mais un peu plus doux, un peu plus éponge plutôt. Et ça, en fait, c'est trop bien. Quand t'as les cheveux mouillés, moi, je déteste sortir de la douche avec les cheveux mouillés qui te collent là sur les épaules. C'est trop relou. Donc, dès que je sors de la douche, et je te mens pas, Mireille, regarde. Hop, il est juste là. Tu vois, mon petit bonnet juste là. Donc dès que je sors de la douche avec les cheveux mouillés, je me mets ça sur la tête et ensuite tu te prends pas la tête, tu te rinces les cheveux, enfin tu te rinces pas les cheveux, qu'est-ce que j'ai dit, n'importe quoi. Tu t'essuies le corps, tu mets ta crème et tout, et ensuite tu t'occupes seulement de tes cheveux une fois que t'es prête. Et ça, c'est nickel chrome comme ceci. Il y avait plein de couleurs différentes encore, mais franchement très très bien ce genre de petit bonnet. Un autre petit colis. Ah non, je suis déçue. C'est pas la couleur que j'avais commandé. J'avais commandé en noir, mais en fait il est bleu. Tu vois, il est bleu, il est pas noir noir. Je suis déçue. Bon, c'est pas grave. Ça, en fait, c'est un truc pour dormir avec. Tu dors avec, et donc du coup après, quand tu te réveilles, tu n'as pas les cheveux qui ont été marqués par l'oreiller, nani nana. Par contre, avec ça, c'est sûr, tu pécho pas ton mec. Mais voilà. Par contre, il est super fin. Le mien, il était. La qualité, elle est pas terrible. J'en avais acheté un. Et il était plus dispo sur mon vendeur, mais là, la qualité, elle est un peu... C'est légèrement... C'est fin. Après, c'est bien parce que du coup, tu peux le prendre pour l'été et ça t'évite de transpirer de ouf. Mais ouais, tu vois, il y a des petits fils qui dépassent. C'est pas... Il est pas ouf niveau qualité. Tant pis. Et puis la couleur, du coup, il s'est trompé. Il s'est trompé sur la couleur. La défaite. Deuxième défaite. Ensuite, prochain petit paquet. Les petits ciseaux. Les petits ciseaux de chez Action. Je suis chez eux. Yes, je suis trop contente. Ça, je pense que ça va faire grave plaisir. Du coup, là, je pense que vous allez voir beaucoup d'articles qu'Emilie a reçus. Mais au moins, je vous montre chaque produit. Et puis, si ça vous intéresse, du coup, vous aurez directement les liens des articles. Alors ça, en fait, et franchement, ce vendeur, je vous le recommande à 2000% parce que je m'étais trompée dans la commode. C'est un porte-clés personnalisé, hein. Pas de suspense. Pas de suspense. Et en fait, je m'étais trompée dans la couleur. Et du coup, je lui dis, est-ce que je peux changer de couleur? Il me dit, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, j'ai marqué. J'espère que ça va lui faire plaisir de ouf. Hop là. Alors, je cache le nom de son chéri, mais j'ai marqué The Emily Beauty Family. Et ça donne ceci. Hop là. Là, il y a le nom de sa fille. Elle ne le cache pas. Son nom, elle ne le cache pas. Et le nom de son chéri. Parce que je ne sais pas si elle donne le prénom de son chéri. Et voilà, je trouvais ça trop, trop, trop joli. Il existe aussi en plus foncé, en plus clair, c'est-à-dire en noir et en argent. Et moi, j'ai préféré prendre gold parce que je trouvais que ça lui correspondait bien. Et je trouve ça trop chou. Je voulais prendre avec Pompon. Je sais qu'elle a un chien et un chat, mais il y avait juste le chien, il n'y avait pas le chat. Mais je trouve ça vraiment trop mignon. Et je me dis que dans quelques jours, elle l'aura dans les mains. Et c'est cool. C'est vraiment cool. Je suis contente de ça. Je suis contente.
prochain paquet. Hop. J'ai hâte de découvrir sa réaction quand elle va voir les cadeaux que je lui ai offerts. Ok, c'est quoi ce truc? Alors, ce truc-là, c'est tout simplement un truc pour ranger les écouteurs. Moi, à chaque fois, je vous dis, le soir, je suis obligée de dormir avec mes écouteurs. Ce qui fait que mes écouteurs traînent toujours quelque part dans la chambre. C'est assez relou. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre une pochette? Un truc à la con. Alors, c'est vraiment... Tu vas me dire, c'est vraiment... Acheter pour acheter, tu peux les ranger dans un tiroir. Oui, mais dans le tiroir, du coup, ils s'en mêlent partout et tout. Et ça, en fait, t'as juste à mettre tes écouteurs dans le bordel. Tchouk, tchouk, tchouk. Et voilà, ils sont quand même accessibles, mais en même temps, ils sont posés quelque part sur ta table de nuit. C'est bête, hein, c'est tout con, mais voilà, ils sont là, mais en même temps, ils sont rangés. Hop, et je voulais pas une boîte qui se ferme totalement, je voulais une boîte qui s'ouvre un petit peu, tu as un petit peu l'idée. Et il y avait plein de couleurs différentes, il y avait rose, machin, truc, il y avait plein de couleurs différentes, mais j'ai préféré prendre blanc. Faites attention, parce qu'entre le gris et le blanc, tu vois pas forcément de différence, mais moi, j'ai pris... Blam blam blam. Et ça, c'est nickel chrome, parce que du coup, au lieu de les ranger dans le tiroir, tu veux qu'ils restent quand même sur la table. Alors oui, je suis en culotte, j'ai un peu chaud. Au lieu qu'ils restent sur la table comme ça, bah tu les mets dans la petite pochette, si tu as la flemme de ranger ça dans un tiroir. On continue avec le prochain tout petit colis. Ça, je pense que ça va être un petit charme. J'adore les petits charmes, de ouf. Franchement, c'est super bien qu'ils fassent cette commande groupée, c'est top. C'est vraiment, vraiment top. Alors ça, c'est un petit charme. Hop, comme ceci. Je le trouve trop beau celui-là. Franchement, la qualité, elle est là. Alors, c'est censé être de l'argent d'après eux, 52,25. Et c'est un petit charme avec la famille. Hop, il est magnifique. Tu vois, et comme ça, c'est marqué famille. Et l'autre côté, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Parce que du coup, quand tu vas le porter, ça va être un petit peu différent. Il est trop, 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 trop beau. J'aime trop. Bonjour! Paquet, sac. Je suis contente. Ceci. Alors, ça, c'est pour Mia. Du coup, Chouki, il a la même. Chouquette, elle a la même. Et en fait, c'est un porte-tétine. Enfin, un attache-tétine. Tu l'accroches là, comme ça. Et tu mets la tétine juste ici. Et ce petit truc, je le trouve trop chou, en fait. La petite icône, je le trouve trop mignonne. Comme ceci. Et franchement, la qualité est bonne parce que moi, j'en ai une depuis bientôt 4 ans. Et elle tient très, très bien. Il y a une variante, en fait, où tu changes les couleurs. Tu vois, le vert là, il va à la place du rose. Et ainsi de suite. Et trop mignonne, la petite licorne. Trop chouette. Ok, baby. Pour gagner du temps, j'ai ouvert tous les colis sans vraiment vous regarder ce qu'il y avait dedans. Comme ça, c'est plus chouette. J'ai reçu ensuite un collier comme ceci. Alors attention le bruit. Hop là. Un petit collier comme ça. Et la chouquette, elle a exactement le même. Mais c'est marrant, la couleur, elle change un petit peu. La chouquette, elle est un petit peu plus claire, en fait, au niveau de cette couleur-là. Et c'est un petit collier, mais que je trouve mais trop mignon. C'est bête, en fait. C'est tout simple. Il y a un petit nœud comme ça. Hop, ce truc là, le petit nœud chez moi, il n'a pas bougé. Même s'il est collé sur la chouquette, il est toujours présent depuis presque 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il est très très joli ce collier. J'ai commandé sur le même vendeur que j'avais commandé. Ah, ce qui est un peu chiant avec celui-là, c'est que tu as les frais de port. Mais voilà, je le trouve super joli et j'espère qu'il fera, qu'il fera une petite heureuse parce que ouais, c'est vraiment un petit chouchou de chez AliExpress. On continue avec ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore AliExpress, c'est tellement... Ah oui, c'est un petit, une petite boîte, une petite boîte comme ça, toute petite boîte. Ça existait aussi en blanc et en beige, il dit pas de logique, il y avait 3 couleurs différentes et je la trouve trop choute, elle est pas trop mignonne. Et en fait, c'est une petite boîte pour mettre un bijou, tout simplement. Et moi, tu l'auras compris, je vais mettre mon petit charme à l'intérieur, comme ça. Après, c'est sûr, il va pas tenir. Hein. Ah, tu peux enlever ça. T'as le petit coussin qui s'enlève. Ah ouais, c'est pour placer des boules d'oreilles. Tu vois, là, t'as les petits touloucoucous pour mettre une boule d'oreille. Je vais voir comment je vais positionner ça. Mais je pense que je vais le poser comme ça, directement. Et que dedans, je vais mettre le petit charme familier. Ça le fait. C'est chou. Ah, c'est mignon. C'est pas de la super bonne qualité, hein, mais... tu peux l'éclater en deux le truc, mais voilà, pour un petit présentoir, c'est sympa. Puis tu vois, la petite finition est quand même plutôt pas mal. Après, voilà, ça reste mou. Tu vois, là, le truc, il est pas pile poil dedans. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est plutôt chouette.
Trop contente. Ça, c'est des petits chouchous pour les cheveux. Je les trouve super mignons. Après, le seul truc que je pense qui est un peu chiant, du coup, c'est pour démêler les cheveux de tes enfants s'ils sont coincés dedans. Mais regarde-moi la beauté. Donc, vous avez des petites, des espèces de petites pommes, on va dire. Et là, vous avez des petites fraises. Ils sont vraiment trop choux. La qualité. La qualité est là. Et tu vois, c'est en... c'est en dur, c'est pas en mou. Et je peux vous dire que oui, c'est de la qualité parce que j'ai exactement le même pour la chouquette. Oh, il y a exactement, je suis désolée, hein, si vous avez pas vu, si vous avez déjà vu la vidéo avec Émilie, je suis vraiment désolée, mais là, il y a énormément de choses pour elle. Énormément. Mais tout le monde ne regarde pas forcément mes swaps. Ensuite, j'ai pris un attache tétine comme ceci et j'ai le même pour Chouki. Il est très bien. Et dans la même gamme, j'ai pris aussi cet attache tétine là. C'était exactement le même vendeur. Du coup, il a envoyé les deux en même temps. Et franchement, j'avais acheté celui de Batman aussi pour Chouki. Ils sont très bien ces attaches tétines parce que tu as plein de positions différentes en fait. Et ça, c'est top. Donc, tu as la petite accroche comme ceci. Comme ça. Et tu as une taille comme ça, une taille comme ça. Et tu peux mettre même une autre taille comme ça. Tu vois. Donc, je trouve ça très bien. Et franchement, elles sont très résistantes. Elles sont nickel. Je pense que des fois, sur AliExpress, si tu tombes sur un bon vendeur, regarde sur sa boutique. Ne cherche pas forcément à payer moins cher. Parce que tu vois, le bonnet pour les cheveux, la photo, c'est exactement la même photo de celui que j'avais trouvé, que j'avais acheté avant, en fait. Mais... c'est pas parce qu'une personne utilise exactement la même photo que ça va être exactement le même article. Donc des fois ça vaut un peu le coup de payer un petit peu moins cher et d'avoir des produits de meilleure qualité. Il n'y a plus rien là-dedans. Con. J'ai acheté ça mais je me suis dit mais pourquoi? Mais il est tellement beau, je regrette tellement pas. Hop, j'ai acheté un donut. Ah non, il est un peu tordu. Bon, c'est pas grave. Ah non, il est pas beau. Je sais pas si tu te rends compte de la finition. Je sais pas si tu vois, mais il est pas... Là, tu vois bien. Il est pas joli. Il est pas joli. Ouais, du coup, il a une forme assez chelou. Et je pense pas que... Non, c'est pas le fait qu'il ait été écrasé. Là, en fait, il y a trop de matière, là. Tu vois, il y a trop de... Tu vois, là, qu'il est beaucoup plus gros que là. Ah, c'est dommage. Bon, pareil, hein, litige sur le vendeur et tout. Mais s'il avait été top, ça aurait été nickel chrome. Parce que, regardez-moi. On dirait pas un vrai donut, s'il te plaît. On dirait un vrai. Les petits éclats, là. C'est d'ailleurs des éclats qui partent, mais il est super bien fait, je trouve. On dirait vraiment des petits bouts de je sais pas quoi. Mais il est super bien fait. Et moi, ce que je voulais faire, en fait... Par contre, je sais pas pourquoi derrière, il y a ça. Comme les pains au McDo, qui disaient que c'était une petite pastille anti-vomitif. Je voulais, en fait... Oh, il sent bon. C'est ouf. Il sent super bon. Je voulais mettre, en fait, un... coller deux aimants et le mettre sur mon frigo, mais ça va pas faire joli. Ça, parce qu'il est pas... je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est pas parfait, en fait. Donc ça fait un peu... Ça fait un peu chelou. Ça fait illusion, quand même, tu vois, mais... en vrai, c'est pas si joli que ça. C'est assez chelou. Ensuite, nous... C'est tout petit. C'est tout petit. Heureusement que j'ai des... J'ai perdu mes ciseaux. Je les ai retrouvés. Aujourd'hui, j'ai passé toute la journée à parler comme ça. Oui, bonjour. Je crois que nous avons un problème. Je ne sais pas. Je suis tellement fatiguée. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Donc, très bien emballé, j'ai envie de te dire. Super bien emballé. Oh oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai acheté une pièce spéciale Covid. Ah, c'est compliqué, ma vie. Hein. Oula. Elle est énorme. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus petite. Donc, déjà, tu as la protection. Des familles et c'est débile, hein, je sais, je suis débile et tout le monde va pas apprécier mon délire, mais c'est marqué une grossièreté Covid, coronavirus, comme ceci. Hop, tu vois le mec, voilà, et là c'est marqué des trucs aussi. Et je trouvais ça marrant, je trouvais ça rigolo, je n'ai pas d'explication et la qualité est super bien faite, par contre, c'est ouf. Donc voilà, c'est débile, mais je trouvais ça marrant. Voilà. Je mettrai ça dans ma boîte à souvenirs, comme ça mes enfants, ils se souviendront que j'ai survécu au Covid 2020. Voilà, je sais, c'est horrible, c'est horrible de dire ça, hein. C'est horrible de dire ça, mais je trouvais ça marrant d'avoir en fait
Je suis plus têtue. Voilà. Bref, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Hein. On est censé faire une vidéo humoristique. On va pas critiquer chacun des articles en disant que blablabla. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle-là, qui est un autre haul AliExpress. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo.